je suis révoltée. Tout simplement qu'à Paris, aujourd'hui, en 2013, un jeune de 19 ans puisse être assassiné de façon relativement préméditée, en plus, puisqu'il se trouve quand même que les groupes avaient préparé le passage à tabac de Clément. Oui, puisqu'il l'attendait. Il l'attendait. Devant un magasin. Voilà. Mes camarades ont vu qu'ils avaient un coup de poing américain. Ils ont averti les vigiles pour qu'ils puissent, parce qu'il n'était pas question en pleine ville, dans un magasin, qu'il y ait une bagarre. Ils n'étaient pas venus pour ça. Pensant que l'affaire s'était terminée, ils sont descendus du magasin et en fait, il y a eu 5 skins qui leur sont tombés dessus. Left-wing student activist Clément Méric and his friends were out shopping in central Paris on June 5. Inside a clothing shop, they began trading insults with a group of neo-Nazi skinheads and a scuffle broke out before the skinheads left the shop. When Méric and his friends went outside, the skinheads were waiting. A fight erupted between the two groups. Méric's head struck a bollard after being punched by a man wearing knuckle dusters. When the fight ended, Méric was not moving. The 19-year-old suffered a severe head injury and was later pronounced brain dead. Bonjour amis internautes. Vous avez l'habitude que je vous fasse des blagues. Aujourd'hui c'est un peu particulier puisque nous allons traiter d'un sujet très grave. L'affaire Méric. Automatiquement, on a envie de chialer. Donc, pour en parler, j'ai appelé la haine à l'état brut, une personne, un cadre de la haine, donc Serge qui a lui-même été inquiété dans cette affaire, on en a entendu beaucoup parler. Alors évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais avec Serge Ayoub, quels sont tes liens avec cette personne? Moi, étant donné qu'il est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, je me suis intéressé, je me suis dit, ne sachant où est le bon, où sera-ce la vérité, je voulais savoir ce qui se passait. Et puis, ne sachant pas très bien où est le bien aujourd'hui, je vais voir le mal absolu, et pour lui poser des questions. Alors évidemment, c'était un sujet super grave, parce qu'évidemment, il y a eu la mort d'un homme, évidemment, on regrette pleinement, je le connaissais pas, mais la mort d'un jeune homme, c'est toujours quelque chose de terrible, quoi. Bon, il y a des gens qui meurent tout le temps, mais là, il y a eu une sorte de climat absolument hystérique, médiatique, politique. On a eu l'impression que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Serge, pour ceux qui ne te connaissent pas, quand j'ai dit cadre de la haine, c'est-à-dire que tu es identifié comme étant un skin extrême droite, ce sont les mots qui reviennent en permanence. Qu'est-ce que c'est qu'être skin? Qu'est-ce que c'est qu'être d'extrême droite? C'est un problème. À mon avis, ils sont tous les mêmes termes pour désigner ce qui combat le système. Quand on est un jeune en France, qu'on veut combattre le système, eh bien, on est considéré, catalogué comme quelqu'un d'extrême droite. Je pense que dans ce cadre-là, tu es aussi d'extrême droite. Oui. Le monde entier, tout ce qui est à la droite des LGBT est d'extrême droite. Merde, je ne savais pas parce que moi j'ai longtemps été adreux contre l'extrême droite, puis je me suis aperçu suite à un sketch en fait que j'ai fait à la télévision que j'étais devenu d'extrême droite. En fait, j'ai simplement critiqué la politique d'Israël et je suis devenu d'extrême droite à partir du moment où vous n'êtes plus dans l'intérêt. La ligne évidemment éditoriale des médias et de la politique aujourd'hui sioniste, eh bien on devient d'extrême droite. Toi, tu as été inquiété. On est venu te voir. On s'est rapproché de toi. Oui, on nous a impliqués dans l'affaire, à tort déjà. Mais enfin, quelle importance que ça soit à tort, du moment qu'on puisse impliquer cette extrême droite à tout bout de champ. C'est hallucinant, ça. C'est bien les Inrocks, hein. C'est bien l'horreur. Hein. Il faudrait que je le connaisse pour qu'il soit un petit peu quand même coupable d'avoir une mauvaise pensée. Mais c'est quoi? Je sais pas, moi, mettez-moi au bûcher ou mettez-moi la question pour savoir si je connaîtrais pas quelqu'un qui l'aurait connu par la sœur de la belle-mère. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir si je le connais? Il y a un gamin qui est mort et vous me demander si je connais les gens, mais quelle importance! Vous êtes vraiment des salauds! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est les sources policières qui disent qu'ils gravitent autour de... Les sources policières, de toute manière, ils pourraient graviter autour du pape, le pape ne serait pas responsable. Point. Arrêtons. C'est pas parce que le copain de mon gendre est un serial killer que forcément je suis serial killer. Faut arrêter ce genre de choses, hein. On est dans un pays de droit et avec un peu de raison. Il faut raison garder, même aux Inrocks. On nous a parlé de Rix. Une Rix, c'est deux personnes d'accord. C'est ça, hein. C'est ce que dit le procureur. Mais en vérité, c'est Méric et sa bande qui ont agressé Esteban. Donc c'est plus une Rix.
Parce que explique-nous en fait dans cette vente, en fait c'était quoi en fait? Bah, y a une marque qu'on aime bien quand on a 20 ans, ouais. Que des skins aussi d'ailleurs ont développé à la base, c'est Fred Perry. D'accord. Donc ils se sont dit en tant qu'antifas, on va bien trouver un pauvre skin qui va être seul, on va pouvoir l'attaquer en vente. D'accord. Okay. Et depuis lundi, ils tournaient. Ils ont agressé d'autres personnes avant, mais ça, on a oublié de le dire. Il y a des mains courantes déposées qui ont été données à la justice, mais on n'en parle pas. Donc, il y avait quand même provocation. Ils étaient à 3, et vu qu'ils ils ont entendu une demi-heure, 3 sur 1, une demi-heure, donc il y a une provocation. J'ai vu un petit jeune provoquer un petit peu un autre qui ressemblait à un skinhead et qui avait l'air de lui dire, avec un geste de la main, tranquille, tranquille, on est là comme toi pour faire notre shopping. Et donc l'autre skinhead a montré son petit doigt en disant, il est tout maigrichon et il nous provoque. Et pire, sur les sites antifascistes, il y avait déjà la photo d'Esteban et de son ami, parce qu'il a le malheur d'aimer les animaux. Donc d'être dans une association de défense des animaux, contre la vivisection, et contre la fourrure, donc il l'avait mis en photo à repérer, et quand ils l'ont repéré, ils n'ont pas lâché, c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué à 3. Il y a une raison. Les prises d'écran, etc. On les a données, évidemment, à l'avocat, mais il n'y a pas de suite, comme d'habitude, on n'en parle pas. Alors comment ça s'est passé? Comment toi, tu as été mêlé à cette affaire? Comment ça s'est passé? Esteban, Alexandre, Lydia, ont le malheur de penser qu'ils peuvent aller à une vente privée. Ben, on ne peut pas aller dans une vente privée. Si on a les cheveux trop courts, ou un blouson qui ne plaît pas à certains, on ne peut pas. Alors ils sont allés, ils ont été pris à partie par 6 antifas qui ont vu en eux une espèce de horde fasciste qui se permettait d'aller acheter un Fred Perry avec le fruit de leur travail. Ils les ont agressés, Esteban et son ami, il y avait aussi, j'ai oublié, Samuel, ont dit qu'ils ne voulaient pas se battre, ils étaient là pour acheter des Fred Perry et s'en aller. Ces antifas, qui ne comprennent pas grand-chose à la vie, ont pensé que c'était un acte de faiblesse, de refuser. Ils ne pouvaient pas comprendre, c'est des petits étudiants, c'est des fils de bourges, ils ne comprennent pas qu'un travailleur ne veut pas se battre, non pas parce qu'il a peur, mais parce que le lendemain, eh ben, s'il a une gueule marquée, il a des problèmes à son boulot, ou pire, s'il est en garde à vue, il perd son boulot. Donc, dans ce cadre-là, il hésite. Lui, il ne peut pas comprendre, il est nourri par papa et par maman, il est aidé par tout le monde, il ne saisit même pas, ils sont tellement déconnectés du monde qu'ils ne comprennent même plus la vraie vie. À ce moment-là, ce qu'on va appeler, pour différencier entre antifa et les skins, même si quelqu'un dedans avait une queue de cheval, a préféré appeler la sécurité pour dire, bon ben, arrêtons là. L'agent de sécurité est venu, a fait son travail. Il dit, écoutez, arrêtez, ça suffit, allez-vous-en. Et bien sûr, comme les antifas ont été 6 d'un coup contre 4, bon, ils étaient en sous-nombre, ils ont préféré descendre. Au bout d'une demi-heure, le vigile leur avait conseillé d'attendre pour qu'ils s'en aillent, il leur dit, ben, vous pouvez y aller. Et cette horde, cette meute de loups, soit fait de sang, qui étaient ces skins, docilement sont descendus. Et bien sûr, en bas, dans le hall d'immeuble, les antifas attendaient, Méric attendait encore. Il faut savoir que Méric disait quelques instants auparavant, hein, c'est le vigile qui dit, les skinheads, ça ne mérite pas d'exister. Ouais, c'est violent. C'est incroyable. Qui a dit ça? Méric. C'est les dernières paroles de Méric vivant, quelque part, c'est ça. Il ne mérite pas de vivre. Ouais. À ce moment-là, les skins demandent au vigile d'intervenir et de les virer. Alors, le vigile redescend, parce qu'il est, pour une fois, il est pro, il faut quand même le noter, et il les fait partir. Donc, ils vont vers le métro. Et au métro, les antifas sont encore. Clément Méric a-t-il été l'agresseur avant d'être mortellement frappé par le skinhead d'extrême droite, Esteban Morillo? C'est ce que semblent démontrer des images tournées par l'une de ces 3 caméras. Situé à l'extérieur d'une station de métro. D'après les vidéos, d'après les témoignages, ils étaient 3 sur Esteban. Notamment, à un moment, Méric avait fait le tour, parce que 3 c'était peut-être pas assez, donc il fallait peut-être le prendre par derrière, lui mettre un coup de poing par derrière, et puis Esteban s'est retourné, il a mis 2 coups de poing, 1 ou 2. Il est tombé, il s'est écroulé, il en est mort. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Esteban Morillo se retourne. D'après ses propres dires, il frappe l'étudiant à 2 reprises au visage. Clément Méric s'effondre. Au sol, il ne reçoit aucun coup. Le skinhead s'enfuit avec ses amis. Pour continuer, le procureur, parce que quand même il a une responsabilité, a dit, pour crédibiliser la chose, que ces 2 coups de poing avaient été donnés dans l'intention de tuer. Alors, évidemment, beaucoup de gens ne se battent pas, mais certains se battent. Ils savent très bien que 2 coups de poing à main nue, 3 contre 1, c'est rarement pour intention de tuer. On se débat comme on peut. Cette vidéo va dans le sens de la décision du juge qui a mis en examen Esteban Morillo pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Les images confirment également que les militants d'extrême gauche ont attendu les skinheads en bas de l'immeuble, où les deux groupes s'étaient croisés lors d'une vente privée. Mais pour les amis de Clément Méric, il ne faut pas inverser les rôles. Clément Méric est mort. Ça, on peut le dire. Il a été tué par Esteban Murillo. Ça, on peut le dire. Il a été tué parce que des coups lui ont été portés. Ça, on peut le dire. On nous a dit aussi qu'il y avait un point américain. Il n'y en avait pas. Selon nos informations, l'un des 5 agresseurs aurait alors sorti un point américain, puis aurait lancé à voix haute, one shot, un coup, avant de frapper Clément Méric au visage, le projetant sur ce poteau. Par contre, on a oublié de dire que Méric, eh bien, on l'a ramassé, mort, c'est vrai, mais avec son protège-dents. C'est autre chose. Ça, c'est vrai que c'est un élément intéressant, parce que qu'est-ce qu'il faisait avec un protège-dents Alors qu'il devait être à Sciences Po en train de faire ses études. Ouais. Il faisait pas de rugby, il faisait pas de boxe, apparemment il était physiquement... Déficient. Ouais. Et d'ailleurs, je comprends pas, moi, je serais à Sciences Po, j'aurais donc a priori réussi mes études, c'est pas mal Sciences Po. J'aurais compris qu'en sortant d'une SMI, en me regardant dans la glace, que c'est mieux que je lutte contre le fascisme derrière un ordinateur, ou en, je sais pas, en faisant des poèmes. Mais je crois qu'en vérité, c'est pas de sa faute, hein. Quoi qu'un peu quand même, c'est surtout la faute de ses amis qui l'ont mis en avant. Le 1er mai dernier, nous étions ici, sur le pont du Carrousel, pour commémorer le meurtre de Brahim Bouharam, jeté dans la Seine par des militants d'extrême droite sortant du cortège du Front National, qui défile encore tous les ans en direction de la statue de Jeanne d'Arc. Les antifascistes, rassemblés à Saint-Michel pour rejoindre cette commémoration, se sont fait violemment attaquer par des fascistes. Clément était présent, comme à chaque rassemblement et action antiraciste. Ce 1er mai dernier, il a pris un coup qui l'a envoyé à l'hôpital. Le 5 juin, il est tombé et il ne s'est plus relevé. Son engagement était quotidien. Ce n'était pas une simple posture ou un engagement ponctuel. Il défendait un antifascisme de tous les instants et de tous les lieux. Et Clément était également de toutes les actions et manifestations anti-homophobes, antisexistes, antispécistes et de tous les combats relevant de la lutte des classes. Pas de quartier pour les fachos ! Pas de quartier dans nos quartiers ! Pas de quartier pour les fachos ! Ils ont une lourde responsabilité parce que les vrais responsables, c'est Mélenchon, c'est le NPA, c'est Besancenot qui dit qu'il faut lutter contre le fascisme, qu'il faut reprendre la rue. Reprendre la rue, on reprend la rue comment ? Par la force. Il y a, je crois, ils ont mis une affiche « Ni pardon, ni oubli ». On est quand même dans l'incitation à la haine et à la violence. Donc ce sont eux, c'est ses petits amis là, qui sachant qu'il était leucémique, parce que Esteban ne le savait pas forcément, il ne se côtoyait pas, qui aurait dû le mettre en arrière, ou dire mais il ne vient pas. Alors là, je vais utiliser des grands mots, mais je vais expliquer pourquoi. Pour moi, c'est une, et c'est là que c'est vraiment important, et c'est pour ça aussi que je suis ici, c'est une seconde affaire Dreyfus. Pourquoi ? Ben parce qu'on a condamné à l'époque Dreyfus, pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Parce qu'il était juif, il ne pouvait être qu'un espion et un traître à sa patrie. À l'heure actuelle, Esteban, parce qu'il aurait été d'extrême droite ou skinhead, devait agresser et tuer des gens. À l'heure actuelle, on le laisse en prison en sachant qu'il s'est défendu contre trois, bah parce qu'on ne peut pas désavouer les propos de Valls et du Premier ministre et de l'Assemblée nationale, et les médias ont insisté et oublient de traiter la deuxième partie, de dire que, en fin de compte, Esteban est la victime. On oublie, on va attendre 5, 6, 8 mois. Pendant ce temps-là, ce jeune est en prison, à tort. Et ça, tout le monde s'en fout. On n'a pas laissé le temps, ni à la peine, ni à la compassion, pour tenter de désigner les grands coupables qu'on attendait tellement depuis des mois. On avait annoncé l'attaque contre la République, le réveil des ligues, le 6 février 34. Nicolas nous avait annoncé les putschs, tout y passait. Ah là, on a un mort. Alors là, c'est vraiment idéal, c'est formidable. On va pouvoir tuer ce pelé, ce galeux de l'extrême droite, radicalisé, désinhibé. Ça, c'est un grand numéro, là. Là, vraiment, je suis sidéré, moi. On n'a pas cherché à savoir, connaître, à faire une enquête. Non, d'entrée, et là, c'est devenu médiatique et même politique, et même gouvernemental, comme l'affaire Dreyfus, un ministre, Valls, s'est permis de dire, avant le jugement, avant l'instruction, avant l'enquête, de dire que c'était un assassinat. Il a dit, en tant que ministre des policiers, pour faire plus court, à ses fonctionnaires, vous allez enquêter dans ce cadre.
Imaginez-vous, vous êtes fonctionnaire sous les ordres du ministre, et vous dites « Non, tu mens ». C'est dur. C'est dur. Et lui, il a imposé ça. Ça, c'est la première forfaiture. On nous accusait d'être impliqués dans la mort, donc Valls a dit « On vous dissout parce que le GNR a tué ce pauvre ». Et puis on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus le dire, parce que la police n'est pas rentrée dans cette combine, là c'est trop gros. Alors on dit « Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est parce qu'ils sont racistes ». Mais mon bonhomme, ça fait 3 ans qu'on existe. En 3 ans, on a fait des manifestations régulièrement autorisées, donc sans violence. Notre site, peut-être même des gens qui te suivent l'ont parcouru. Il n'y a rien de raciste. C'est du social. On combat pour le respect du CDI, on combat pour nos droits sociaux. Ça n'avait rien à voir. Ils sont encore trompés, ils se trompent tout le temps. La banalisation des mots, de la haine, favorise, nous le savons, dans le débat public ou sur Internet, le passage à l'acte. Et nous devons tout faire pour éradiquer ces messages de haine. On explique que c'est vous le problème de la France, oui. La GNR. C'est, parce que quand ils seront plus là, ça ira mieux. Tout le monde va retrouver du travail, et puis ça sera le plein emploi, et ça sera la croissance qu'on a. Tout le monde achètera 5 bagnoles. Je renouvelle donc l'appel à la dissolution des groupes d'extrême droite violents. Et je demande à toutes les formations politiques de se joindre à cet appel. Il est temps de mettre ces groupes hors d'état de nuire. La violence est un cancer pour la démocratie. Et moi j'appelle au rassemblement face à ça de toutes les forces démocratiques et républicaines qui seules rassemblées, peuvent faire face à ce déferlement-là. Dégage! Si c'était honnête, il s'excuserait. Normalement, Valls devrait s'excuser en public. Hein. Oui. Surtout pas. Alors, on peut lui demander. Hein, oui, on peut lui demander, mais enfin bon. Faut toujours demander. Oui, excuse-toi, mais. Ouais, ça, s'il va écouter, on va attendre 24 heures. Mais... Non, mais c'est sûr que. Après, il fait ce qu'il veut, mais il a la possibilité de le faire. Il fait même que ce qu'il veut. Ouais. Merde, quand même! Ensuite, on a eu, toujours dans la même idée, Hérault qui a dit qu'il fallait tailler en pièces ces idées-là. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, j'ai demandé à la garde des Sceaux d'étudier toutes les possibilités qui permettront de tailler en pièces, en quelque sorte, de façon démocratique, sur la base du droit, ces mouvements d'inspiration fasciste et néo-nazie et qui font tort à la République et qui font tort à la France. Quelles idées ? De se défendre quand on est agressé par 3 personnes ? Parce que c'est ça la vérité. Non, c'est des idées qui ne plaisent pas, qu'on qualifie d'extrême droite. Je crois que toi aussi tu as été attaqué par ces antifa, donc tu dois être un fa, vu qu'ils sont antifa. Ont balancé exactement les mêmes critiques qu'ils ont, fasciste, islamiste, Bounty. Alors c'était Bounty, c'est-à-dire que je sais pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire noir de dehors et blanc dedans. Bon. Enfin, c'est un concept raciste. L'extrême gauche de Méric, et je l'ai découvert à ce moment-là, moi, on sait pas trop ce que c'est. En tout cas, très proche des mouvements sionistes de la LDJ et de ce genre de mouvements, plutôt protégés par la police, par Manuel Valls en l'occurrence. On va parler, hein. Il faut s'attaquer. Bien sûr, aux idées, à ces idées nauséabondes qui nous rappellent les pires heures de notre histoire. Et d'ailleurs, c'est cette référence souvent à Vichy, à l'occupation, au nazisme. On peut comparer, mais on ne peut pas assimiler l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a une différence de nature entre elles. L'extrême droite, dans ses groupuscules, aime tellement la violence qu'elle va faire de la politique, qu'elle va chercher le terrain politique pour pouvoir assouvir son besoin de violence. L'extrême gauche aime tellement le combat politique qu'elle peut le porter jusqu'aux limites de ce qui est permis, c'est-à-dire la violence. Les deux sont répréhensibles, mais on voit bien qu'il y a une différence fondamentale. Ça veut dire qu'on peut attaquer Stéphane à Troyes, on peut tuer des gens, on peut les jeter dans l'eau et les taser, si on estime qu'ils seraient, d'après eux, fascistes.
L'imposture, c'est que le fascisme tel qu'ils le décrivent, en fait, c'est, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce serait les nazis, ce serait le Troisième Reich, enfin, on ne sait pas très bien, ou des islamistes, ou le terrorisme international. Parfois, on ne sait plus très bien ce que c'est que le fascisme. Historiquement, le fascisme est mort en 1945 et c'était un mouvement d'extrême gauche au départ. Il faudrait rappeler quand même des choses évidentes quand on emploie des mots qu'on ne maîtrise plus. Ceux qui sont sincères, parce qu'il y a évidemment des gens sincères dans ce combat, ils pensent contre le fascisme. Et sincèrement, la réalité, c'est qu'ils sont manipulés, il faut simplement leur ouvrir les yeux. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment sincères. Ils seraient sincères, ils se poseraient des questions. Comment se fait-il que nous soyons anti-système, c'est ce qu'ils se disent, si on y croit, comment se fait-il que la mairie de Paris, le gouvernement, nous finance ? Depuis quand on a vu des fonctionnaires de la révolte ? À ce moment-là, Julien Drey, donc, qui est aujourd'hui député de l'Essonne, bien sous tout rapport, lui venait de quitter la Ligue communiste révolutionnaire, il était au bureau politique, il l'avait quitté quelques mois avant, je crois, il avait une grosse barbe comme ça et tout, et c'est lui qui avait monté SOS Racisme avec Harlem Désir. Donc il a encore cette espèce de culture un peu, tu sais, extrême-gauchiste, machin, de la Ligue, et donc on est les mecs présentés par des militants comme étant susceptibles de coller la nuit pour SOS Racisme. C'était pas gratuit, on était payés et tout. Hein. Et les mecs mettent à notre disposition camionnettes, donc on avait deux camionnettes Louis Valem bleues, je me souviens. Et nous, évidemment, on utilise ça à fond pour coller des affiches comme ça de temps en temps, bien sûr. Mais imagine l'aubaine, camionnette, budget pour essence illimité. Et donc, du coup, nous, sûr, pour nos activités nocturnes, on avait cette espèce de couverture liée au fait qu'on collait pour une organisation. Et on utilisait les camionnettes. C'était un bonheur qu'on était 10 dans chaque camionnette. Et on en profitait pour taper des grosses descentes sur les FEFA. Comment se fait-il que quand on nous tue, le Premier ministre à l'Assemblée prenne nos patins et en même temps il y a une minute de silence dans tous les hémicycles? Comment se fait-il si on est anti-système contre ce système, contre ce gouvernement? Les sénateurs ce matin ont dénoncé à l'unanimité un assassinat abominable. Toute la classe politique condamne fermement cette agression. L'Assemblée nationale, unanime, exprime sa condamnation de tout acte de haine et de violence et adresse son soutien à sa famille. Je vous invite, en hommage à Clément Méric et par solidarité, compte tenu de son état, à respecter un temps d'indignation et de recueillement. Il y a un âge, à 25 ans, 20 ans, 18 ans, on te fait croire n'importe quoi. Moi, j'ai bien connu l'antiracisme. Mais ça me paraissait tellement naturel, c'était tellement logique. Pour me rendre compte que c'était un piège, ça m'a pris un certain temps. Bon, j'ai grandi dans la haine. Je peux dire dans la haine, par exemple, de Le Pen. Il y a autour de moi des gens, ah, si Le Pen, je le vois, je le croise, moi, je crois que je vais mettre ma main dans la gueule. Et pauvre con, bien sûr que non, tu feras pas ça déjà. Et puis pourquoi? Comment justifier à ce point une violence? Je dirais que je rentre au combat, je Red Warrior, je commence à partir à l'assaut. Il se met comme ça, perpendiculaire au mec, tu vois, le mec il voyait rien parce que je lui tenais la tête et tout. Et là il fait BAH BAH. Il lui met deux coups de batte, mais je te jure, le cum il est devenu tout mou. T'sais. Genre je le tenais, j'ai senti qu'il faisait tu sais ça comme. Et là le cum il me lâche et en fait fini. C'était super violent et voilà, à l'époque, plus c'était violent, plus c'était apprécié. À l'époque, hein, sans vouloir. Vous avez été traité par ceux de SOS Racisme, qui porte bien son nom, et par le Parti Socialiste, comme des tirailleurs sénégalais. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Tiens, on va lâcher des chiens qui vont se battre pour nous. C'est ça, ouais. Exactement. Les extrêmes, ce sont les épouvantails qui mettent pour justifier en fait leur bonne volonté, c'est-à-dire leur dire regardez, voilà où est le mal et nous sommes là pour vous protéger de cela. Et là, l'affaire Clément Méric, ça a été évidemment nous montrer du doigt la haine absolue. Finalement, du fait de la dédiabolisation du FN, être d'extrême droite deviendrait une idée comme une autre. Et comme ces gens sont violents dans une nostalgie de ces régimes nazis fascistes, ils pensent qu'il faut terroriser les gens de gauche. Le vrai racisme, il est simple, c'est l'oppression de l'homme par l'homme. C'est ça le vrai racisme. Mmh. C'est le grand capital. Mmh. C'est ça. Je suis un patriote français, hein. Mmh. J'aime mon pays, d'ailleurs il a une belle histoire, une belle culture, je pense avoir raison, hein. Je suis même sûr d'avoir raison. Je m'oppose à l'immigration. Je sais que l'immigré est victime de l'immigration comme moi. Mais qui importe les hommes comme des marchandises? Qui déporte des familles entières simplement pour leurs petits bénéfices, pour faire du dumping social, pour avoir les salaires plus bas, pour payer moins?
c'est le grand capital. Moi, sur l'immigration, j'ai toujours eu ce discours de dire, ce qui est étonnant, c'est que les matières premières, elles n'ont pas besoin de papier pour arriver ici. Si on pouvait bénéficier simplement des richesses que nous avons dans notre sol là-bas, parce que moi je suis originaire du Cameroun aussi, je suis français, mais j'ai les deux nationalités, enfin les deux origines en tout cas, les Africains ne viendraient pas si on arrêtait de voler leur matière première. Si ce racisme était vraiment contre le racisme, si le PS était vraiment contre le racisme, si ce gouvernement était vraiment, vraiment anti-raciste, la première des choses à faire, c'est que ce gouvernement devrait déchirer cette dette du tiers-monde, parce qu'en vérité c'est un lien de subordination, c'est un néocolonialisme, et dire on joue pas ce jeu-là, par contre on fera des... C'est ce que nous on pense à la troisième voie, on va faire des accords bilatéraux, d'homme à homme, dans les yeux, d'État à État, et d'un coup, eh ben, vos ports qui appartiennent tous à Bolloré, ça ne dérange personne que tous les ports du Golfe de Guinée soient à Bolloré, eh bien, vous appartiendront, et on va faire de la coopération, oui, parce que si on est sur une dette, il ne faut pas qu'on soit complètement con, il faut qu'il y ait des accords gagnant-gagnant, et on va remonter. Et là, d'un coup, je suis convaincu que les Camerounais, les Gabonais auraient de quoi vivre bien, et nous, il y aura peut-être pour certains de l'immigration, parce qu'il y a des choses à faire. Et ça serait que là, on serait gagnant. Pour l'instant, ils accréditent, ils acceptent que des gens soient tellement pauvres, tellement dans la merde, qu'ils sont obligés d'abandonner leur famille, les leurs, leurs enfants, leurs femmes, leurs habitudes, leur bouffe, leurs fêtes, pour survivre et envoyer de l'argent au loin. C'est inacceptable. Si on est un homme de gauche, s'ils étaient vraiment de gauche, ils ne l'accepteraient pas. Die Hauptstadt von Senegal, der Republik Senegal in Westafrika, heißt Dakar. Diese Stadt beherbergt den größten Markt, Landwirtschaftsmarkt in Westafrika. Das ist die Sandaga, der Sandaga-Markt. Wenn Sie auf den Sandaga-Markt gehen, können Sie europäisches Gemüse, europäische Früchte, europäische Kartoffeln und so weiter zu einem Drittel der einheimischen Preise kaufen. Also der senegalesische Bauer, auch wenn er 18 Stunden im Tag arbeitet, unter brennender Sonne, mit letztem Einsatz, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, das Auskommen zu finden auf seinem eigenen Boden. Was muss er tun? Wenn er noch die Kraft hat, emigriert er unter Todesgefahr über die Straße, Meerstraße von Gibraltar und muss sich dann irgendwo in Südspanien. Ils acceptent que des gens viennent sans papier et les défendent. Mais pourquoi? Parce que c'est simple, il va faire le boulot pour moitié moins. Et son rêve, c'est un jour d'avoir des papiers et toucher le SMIG. Et une fois que ce sans-papier aura ses papiers et pourra enfin accéder au SMIG, il pourra faire venir sa famille qui sera dans le même cadre, etc. Et maintenant, on arrive à faire baisser les salaires le maximum possible. C'est pour ça que nous sommes contre l'immigration. C'est vraiment l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce qui est important de le dire, c'est surtout pour ceux qui peuvent écouter ce genre de propos, c'est de bien faire comprendre que ça n'est pas contre l'homme qui est originaire de cette... Pas contre l'immigré, mais contre l'immigration. C'est ça. Voilà. C'est ça, je pense que c'est important de le dire. La politique aujourd'hui, depuis le 11 septembre, est faite que par des coups médiatiques où finalement, on terrorise la population. Je pense que leur désarroi, là, leur hystérie et l'échec dans la communication montrent bien à quel point, en fait, ils perdent du terrain. C'est la fin de règne. Ouais, c'est la fin. Ils t'appâteraient à travers, et ça marche plus. Aujourd'hui, le risque, c'est qu'ils réussissent à diviser le peuple qui en a marre, qui n'a plus de boulot, qui a faim. Nos adversaires, alors bon, chacun les appelle comme il veut, mais ce sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et c'est contre eux qu'il faut que nous nous battions. Voilà, oui, c'est l'hyperclasse, ceux qui, aux États-Unis, en France et ailleurs, prennent tout le pouvoir avec tout l'argent, le plus d'argent pour avoir plus de pouvoir pour avoir plus d'argent, une espèce de dynamique infernale qui nous broie. Hein. Et nous voit tous. Ce qu'on fait avec Alain, il y a des gens qui ne comprennent pas dans l'environnement d'Alain Soral, ou comme dans le mien, des gens, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Tu traînes avec des gens d'extrême droite, tu discutes avec des gens d'extrême droite, ils racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Bon, de toute façon, moi, je m'en fous qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Noirs. Moi, mon idée, c'est comment on peut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus de justice, simplement, qu'on respecte les mêmes règles ensemble. Si on a une opposition, c'est face à cet État, face à ceux qui ont le pouvoir, quand même. Genre, c'est quand même pas, on ne va pas se battre entre couches populaires défavorisées en 14, que ce soit le poilu ou l'ami Fritz en face, ils étaient tous les deux, bien sûr qu'ils sont battus l'un en face de l'autre, mais pour qui? Pour Krupps et de Wendel.
Il y en a marre de mourir pour les autres, pour les intérêts des autres, il y en a marre. Bon, bah écoute, en tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que voilà, nous, on ne tombera pas dans le piège, on ne va pas se battre ensemble, et puis je pense qu'on représente bien la France d'en bas, quoi. C'est-à-dire cette France qui a différentes origines, plus une différentes histoires, mais qui finalement, on a le même ennemi, quoi. Voilà. On a le même ennemi, c'est une évidence. Le raciste antiraciste, celui qui dit que les fachos ça rend de la merde, celui-là il est dangereux parce qu'il va aller péter la gueule aux fachos en toute légalité, alors qu'au moins le facho il a un petit peu honte, que l'antifacho il en est fier, il est très fier d'être antifacho, il se dit eux c'est les méchants, moi je suis le gentil. Boum. Mais ça manque encore un petit peu d'étude du dossier, quoi. Il faut qu'il creuse encore un peu la question.